Communiqué final de la réunion du Présidium de la MUCA. En application des dispositions de la Convention portant création de la plateforme politique la MUCA du 27 avril 2019, spécialement en ses articles 5, 6 et 10, et suite à la convocation de la réunion du Présidium, ces derniers s'est réuni sous la direction du coordonnateur Jean-Pierre Bemba le vendredi 29, le samedi 30 novembre et le lundi 2 décembre 2019 à Kinshasa. Le Présidium la MUCA remercie les coordonnateurs d'avoir assuré son mandat trimestriel de la MUCA. La plateforme politique la MUCA remercie le peuple congolais pour le soutien à son combat depuis sa création le 11 novembre 2018 à Genève, comme plateforme électorale devenue plateforme politique depuis le 27 avril 2019 et réaffirme son unité dynamique autour des valeurs et objectifs fixés dans sa convention. Le Présidium la MUCA désigne son nouveau coordonnateur pour l'exercice trimestriel de décembre à février 2020, à la personne de M. Adolphe Mozito, le félicite et s'engage à lui apporter le soutien nécessaire
pour la réalisation de son mandat. Le nouveau coordonnateur convoquera très prochainement une réunion du Présidium au cours de laquelle celui-ci lèvera les grandes options sur les enjeux de l'heure. Le Présidium Lamouka réaffirme sa solidarité avec la population de Bénin. Le Présidium Lamouka lance une fois de plus un appel pressant au peuple congolais, à la classe politique et à la société civile pour protéger et consolider le pacte républicain forgé par les forces vives de la nation congolaise rassemblées à Sun City en Afrique du Sud en 2002 et traduit dans sa constitution, dans la constitution de 2006, faite à Kinshasa le 2 décembre 2019 pour le Présidium Jean-Pierre Bemba Gombo, Martin Fayulu, Moïse Katumbi et Adolphe Muzito. Le Présidium passe le flambeau à Adolphe Muzito. D'être venu présent. Je n'ai rien à rajouter à mon niveau. Je souhaite au coordonnateur, au frère Adolphe Posito, de pouvoir continuer à œuvrer dans le sens de la défense des intérêts de la population, comme nous l'avons tous souhaité au niveau de notre plateforme politique Lamouka. Et je lui souhaite bien sûr le succès dans le travail qu'il va fournir à présent et la continuation. Et bien sûr, nous sommes ensemble et nous continuerons à lui l'appuyer, lui fournir toute notre énergie pour la réussite donc de son mandat. Voilà. Quel bilan merci. Faites-vous de votre mandat? Dans les questions-réponses, peut-être qu'une autre fois, on pourra se voir. Voilà. Merci en tout cas. Un mot de la part du coordonnateur, enfin. Bon, d'abord, félicitations pour mon ami, mon frère et mes camarades Jean-Pierre pour son mandat. Je les remercie aussi pour nous avoir accueillis ici à ces bureaux, à la résidence. Voilà, nous allons continuer le travail, consolider l'unité de l'Amouka, consolider l'unité de notre peuple. Comme vous le savez, le pays est divisé. C'est la cacophonie au plus haut sommet de l'État. Il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas d'entente. C'est la rivalité, alors que le pays brille à l'est, la République, comme vient de le dire. Nous pensons qu'il faut que tout le monde comprenne que le pays a besoin de cohésion, besoin d'unité, nous allons y travailler. Vous connaissez bien la vocation de l'Amouka, à savoir défendre la Constitution, mobiliser le peuple pour une alternance démocratique reflétant la vérité des urnes. Vous savez aussi que l'Amouka, c'est la défense d'une bonne gouvernance, la lutte contre les antivariants. Nous allons y travailler cette fois-là un peu plus sur le terrain. Et ici, nous attendons l'arrivée du président élu. Nous allons nous mobiliser ensemble, tous les leaders de l'Amouka, pour mobiliser la population à travers le pays, de manière à ce que dans chaque ville, on se soulève, qu'on fasse de marches pacifiques afin de goûter l'ennemi qui pille à l'est du pays, qui tue et qui crée l'insécurité. Il n'y a que dans l'unité et dans la cohésion. D'où les plans de sortie des crises sur lesquels nous sommes tous d'accord, à savoir qu'il faut des réformes. Il faut que les gens se retrouvent pour faire des réformes afin qu'on rentre aux élections le plus rapidement possible. Évidemment, nous, on a donné une date, mais elle n'est pas magique. Les autres peuvent estimer qu'il faut un peu plus de temps, etc. Nous allons discuter, c'est la seule façon de mettre fin à cette division qui sépare notre peuple et qui fait que les autres en profitent pour nous exploiter, nous piller et puis tuer à l'aide du pays. Merci. Merci. Bien, bon, peut-être qu'on va faire quelque chose à tout le monde. Voilà. La diversité, le débat, la contradiction, c'est ça la richesse. On n'est pas un groupe monolithique, on est un groupe partisan avec une dimension citoyenne. Nous sommes autour des valeurs essentielles pour sauver notre pays, pour sortir du piège de la bancalisation. Et pour cela, il faut des actions sur le terrain. Donc, l'unité de l'Amouka, l'unité du peuple, la cohésion dont on a besoin pour résister à l'ennemi, à l'occupant. Merci. L'unité qui fait en sorte que vous n'ayez pas la capacité de proposer un seul candidat pour le poste de porte, enfin, d'adjoint. Oui, c'est normal. Évidemment, là, nous y sommes contre simplement des résistants.
on peut avoir des contradictions. C'est ça la richesse. On est des résistants dans cette espèce.